Fa wani reo hupana zaatra si inpila lokuza tia samna niyo nifaitani ini ifugatra azu ni Madagasikara ini tam niti androaliti. Nos adversaires parce que le match a se fait à deux et s'ils ont gagné c'est qu'ils le méritent quelque part après, félicitations à vous premier point deuxième point sans doute le relâchement dont on avait parlé avant c'est un peu humain, logique nous sommes qualifiés depuis le mois d'octobre et on se doutait et je l'avais dit que ce serait un match difficile. Alors bizarrement, quand même, j'ai trouvé des joueurs concernés, j'ai trouvé qu'ils avaient plutôt dominé, je pense en tout cas, puisque nous frappons 17 fois au but et 11 cadrés. Et c'est l'incertitude du foot, dominer n'est pas gagner, et nous avons été mauvais dans les deux zones de vérité, la zone de nos 18 mètres, puisque notre gardien n'a fait aucun arrêt, et de leur côté, ils ont eu le mérite d'arrêter de nombreuses frappes et on a été un peu maladroit dans cette zone. Voilà. Donc on refait ce match 10 fois, je pense qu'on gagnera 9 fois en jouant exactement de la même façon. Mais quelque part, moi je condamne surtout l'entame de match. Prendre un but à la deuxième minute contre une équipe qui de toute façon, on avait visionné, allait jouer très bas comme elle l'a fait contre le Sénégal. C'était dangereux. On n'est pas rentré correctement dans ce match. On ne cadre pas le joueur. Première occasion, but. Voilà. Et même si la première mi-temps, je pense, est très bonne, avec de nombreuses occasions, on a tout mis à côté où le gardien a tout sorti. Et voilà. Donc, il y a une sorte de malchance aussi, même si c'est pas ça, mais c'est pas que ça. On a le poteau sur le 2-2. Et tout de suite après, on fait une erreur grossière pour prendre le 3-1. Voilà. Bon. C'est football, ça nous met une gifle, ça nous fait mal, mais pour que ce soit constructif, il y a des défaites qui doivent être constructives et qui doivent nous permettre d'apprendre. Cette défaite, elle n'est pas grave, vous étiez les premiers à le dire, mais quelque part, elle va nous servir à comprendre ce qui reste qu'à travailler. Nous, on sait, j'avais commencé à vous parler avant le match de certaines choses. Je vais pas en reparler aujourd'hui à chaud, mais je sais ce qu'il me reste à faire et à trouver. L'équipe nationale supérieure, c'était une mission, mais à bien dire, enfin presque, c'était la loi où on a tenu l'équipe, on a tenu les Européens, des années à tenir. Et Manar Kazan, c'est le jeu où on dispara les championnats au Soudan. Et aujourd'hui, c'est un poison, mais quand Falian, je veux te tuer, je veux te tuer un poison. Et Falian, c'est une théorie, et il y a une histoire de défendre, c'est un poison.